Tuyer au quai, réacteur au quai. Les gardes-côtes se font submerger. Le Tigris a besoin d'une intervention aérienne. Une chose à la fois, messieurs. On sécurise la base et ensuite on part aider le Tigris. Reçu. Paré au lancement. Post-combustion. Scar 1-2 en route. Il n'y a qu'une option pour tenir le port. Reprendre la supériorité aérienne. Allons faire le ménage et virer les 7 dèbres de notre ciel. 4 cibles, 4 cibles. Skelter en approche. Cible à 12h. Maintenez la pression, on les repousse. Deux en moins. J'en suis à 4. Ils ont des renforts, prenez garde. Il me suit. Éloignez les skelters des tourelles. East time. Ils ont des missiles guidés. Et Jack, des gardes-côtes ne sont pas équipés pour ça. Tigris, il faut qu'on égalise les chances. Reçu, Scar 1-1. On a un drone de ravitaillement paré. Marquez votre position pour la livraison. Capitaine Reyes, on a besoin de vos coordonnées. Confirmez votre position. Il y en a un qui me suit. Position marquée. Le drone est en route. En position et paré. Scar, balancez-leur vos missiles. Missile en approche. Leader, quelle est votre situation? On chasse l'ennemi. La base sera bientôt dégagée. Température des tubes en augmentation. Il en reste plus beaucoup. On les achève et on va aider le Tigris. Presque. Scar, on a des Jack dans la zone de combat. Attaquez ces canonnières. 3-1, en approche. Bien reçu, ils s'en prennent autour. À toutes les équipes, arrosez les canonnières. Visez leur système d'armement. C'est mieux comme ça. Affirmatif. Scar, rendez-vous pour le lancement orbital. Bien reçu, c'est parti. Reyes, on est en position, on attend que toi. Bon travail, Marine. Préparez un transport. Rendez-vous en rétribution. Bien reçu, sergent chef. Bon courage pour la suite, lieutenant. Raider, le réacteur bâbord du Tigris subit des dégâts. Demandons soutien immédiat. Leader, ici Raider. Je vais aborder et neutraliser le vaisseau ennemi. Restez en stand-by. Quel est votre plan d'infiltration? On va débarquer sur la proue à bord et rejoindre la passerelle en apesanteur. Une fois à bord, on neutralisera la passerelle et les systèmes de combat de poupe. Bien reçu. Quand ce sera fait, on sortira par la soute. Affirmatif. Le Tigris attaquera dès qu'on sera hors d'atteinte. Vaisseau ennemi en vue à 12h en hauteur. Le vois. Tigris, cible en visuel. Bien reçu. Tir de couverture. Je montre le chemin, Raider. On te suit, Fever. Attention aux débris. Je les vois.
Jackal des gardes-côtes abattus. On approche de la zone de déploiement. Débarquement dans 3, 2, 1... Allez, allez, allez. Un dos au sol. Un dehors. 3 devant. Ok, en avant. Ennemis en vue. Abattez-les. Transport du SNCF à l'approche. À 11h. Les se rapprochent. Leader, on a besoin de tirs de suppression sur ces skelters. Continuez d'avancer. Bien reçu. Tigris, on est à l'extérieur de la passerelle, on se prépare à entrer. Bien reçu, on l'attend. Bien reçu. Tigris, on est à l'extérieur de la passerelle, on se prépare à entrer. Je vais les court-circuiter. On rentre, allez! Sergent-chef, couvrez la sortie. Ethan, coupe les armes principales et rétablis les systèmes de survie. À vos ordres. Salt, surveille les fenêtres. Alerte. Le vaisseau est compromis. À tout le personnel. Activation de la pesanteur. Je vais chercher la carte du commandant. Dépêchez-vous de récupérer la carte, capitaine. Tigris Leader, les armements principaux sont neutralisés, on passe au secondaire. Bien reçu. On va descendre par la cage d'ascenseur, venez. On n'est pas loin des commandes de poupe. Ne tirez pas, ils nous ont pas repérés. Poste de combat, poste de combat. Passez au stade 1 dans tout le vaisseau. Je répète, poste de combat, passez au stade 1 dans tout le vaisseau. Les commandes de combat sont par là, sur le pont inférieur. Bien sûr, ouvre-moi ça. Pour les communications internes. Je répète. La passerelle est hors service. Les ennemis n'ont pas été localisés. Compris. Bouclez le secteur et commencez les recherches. Allumez-les ! Rien à signaler. Au travail, Ethan. Coupe les armements secondaires. Compris. Le terminal s'ouvre avec la carte du commandant, capitaine. Je me connecte, capitaine. Le vaisseau est désarmé, on dégage. Capitaine, j'ai trouvé autre chose. On dirait les positions des vaisseaux ennemis. Tu peux les récupérer ? C'est déjà fait, capitaine. Parfait, on y va. Tigris Leader, tous les armements sont neutralisés, on passe à l'extraction. Sergent-chef, je vous suis. Bien joué, Ethan. Vous aussi, sergent. Équipe Scar, attention. L'Arès se prépare à fuir la zone de combat. Quittez ce vaisseau immédiatement, capitaine. Combien de temps il nous reste ? 3 minutes, maxi. Tigris Leader, feu à volonté. Bien reçu. Attention, impact imminent. Par les portes, allez ! Préparez-vous pour un saut d'urgence.
Attendez! En dessus, Reyes. Go! Leader, l'Ares va sauter d'une seconde à l'autre. On ne peut plus attendre. Ils attendaient ? On poursuit jusqu'à la salle de commande, allez ! Vite, le temps joue contre nous. Escouade, l'heure tourne ! On doit y aller ! Dégagez le passage jusqu'à la fin de la commande ! Dépressurisation, accrochez-vous ! Tigris, on a besoin de chasseurs ! Compris, je vous envoie des jackals. Ok, tout le monde à bord. Un, deux, en place. Ouais, on met les gaz. Tigris, les SCAR sont sortis. Bien reçu. Tous les armements, feu. Joli. Cible neutralisée. Mission accomplie, Tigris. Les SCAR rentrent au bercail. Le commandement stratégique a permis le redéploiement du Tigris hors de la zone. Nos chemins se recroiseront certainement. Nous sommes les seuls à pouvoir repousser l'ennemi. Bon vol, Capitaine Reyes. Merci, Capitaine. Capitaine Reyes, dépêche prioritaire de l'amiral. Reçu, relayez-la. Oui, Capitaine. Voilà. Commandant Reyes, le commandement stratégique a décrypté une transmission de la flotte de l'amiral Koch, diffusée 6 heures avant l'attaque. Reçu, amiral. Poursuivez. Aujourd'hui, le front se lance dans une conquête. Nous allons éradiquer l'autorité et l'influence des dirigeants de la Terre. Notre monde vient de naître. Et l'heure est mourante. Briser nos liens ne suffit pas. Brisons la Terre. Leurs villes brûleront tout comme les bases de leur pieds. Capitaine, ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir conquis notre planète. Cela pourrait être notre dernière bataille. Compris, amiral. Voilà le rapport de réparation. Le hangar est opérationnel. Parfait. Je vais rédiger mon rapport d'action immédiatement. Ethan, accompagne le sergent Omar. Aide-le à la rédaction. Bien sûr. Je peux me débrouiller seul. J'en doute pas. T'as tes consignes, Ethan. Je les ai, capitaine. Un tête-à-tête forcé entre ces deux-là? Ce serait dommage de rater ça. Je parie sur Omar. Moi, je dis Ethan. Vous avez abordé un vaisseau ennemi. Je peux rien confirmer, chef. Je prends ça pour un oui. Un carrément, même. Une première de plus pour aujourd'hui. Allez, on montre, Reyes. Voyons ce qu'on tient. Je vois deux possibilités. Dis-moi. Soit on les arrête avec ces frappes tactiques combinées. Soit on se fait coincer par le 7 def et on revoit plus jamais la Terre. On la reverra, Salt. Je sais. Capitaine, lieutenant, ils vont parler de la bataille de la porte aux infos, si vous voulez. Ce sera sans moi. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Le capitaine prend les commandes. Barre à gauche, cap à 270. À vos ordres. Alors, et ses renseignements? Mac, un petit exposé? Quand le capitaine sera prêt. Capitaine, la passerelle et l'équipe technique ont passé au crible les données piratées par Ethan. C'est une vraie mine d'or. Qu'est-ce que c'est? Le Retribution et le Tigris. Les autres sont du 7-Def. Des vaisseaux ennemis. Chacun a la position de ceux de son groupe. Et maintenant, là, nous aussi. Vous êtes libres de les attaquer à votre gré. Nouveaux objectifs inopinés sur le radar, capitaine. 4 vaisseaux ennemis repérés. Où voulez-vous attaquer?
Le porte-astronef Cerberus du 7DEF est au radeau pour réapprovisionnement dans le champ d'astéroïdes de Miranda. D'après le manifeste, un prototype de vaisseau se trouverait dans son hangar. Je propose une mission d'infiltration pour nous en emparer et empêcher sa mise en service. Bon boulot, Mac. Tout avantage est bon à prendre. Ah, je comprends. J'ai autrefois été à votre place. Vous avez été capitaine, Mac ? Pourquoi avoir renoncé à votre commandement ? Je me suis rendu coupable d'un péché mortel pour tout, commandant. Je me suis attaché. On est tous coupables, Mac. Envoyer des hommes au combat n'est pas pour tout le monde. Désormais, je m'occupe de machines et je vous laisse les hommes, capitaine. Le BR-800 à silencieux est pareil, capitaine. Croyez-moi, vous réussirez jamais à vous approcher du vaisseau sans ça. Soyez prudent sur le terrain. Enseigne de vaisseau Chaînette, votre présence est requise au CI avant. Poste de propreté générale, poste de propreté générale. Récurez le vaisseau de la Kiyoma et de la poupe à la poupe. Capitaine. Élimination des déchets dans l'incinérateur avant. Poste de propreté générale. Extinction des feux. Éteignez les lumières dans les postes d'équipage. Silence total sur les ponts. Interdiction de fumer dans les capitaine. Postes d'équipage. Extinction des Solteur feux. Est déjà paré, capitaine. Enseigne de vaisseau Chaînette, votre présence est requise au CI. Les vents solaires sont stables. Bonne chasse, capitaine. Nous sommes à portée de la ceinture d'astéroïdes et du Cerberus. Je reste à mon poste, en vue de votre évacuation quand vous aurez pris possession du prototype. Bien reçu ! Raider, comment on va mettre la main sur cet engin ? On va d'abord neutraliser le porte-astronef avec des IEM avant de l'aborder. Bien compris. Ansel. 1-1, 1-2, ici tour de contrôle. Prudence à proximité de la ceinture d'astéroïdes. 1-2. 1-1, ok. Scar, vous êtes prêt à partir ? Reçu, compte à rebours. Ici Bravo, on est à 030 de votre position, de l'autre côté de la ceinture d'astéroïdes. Rien sur le scanner, ils savent pas qu'on est là. Ouvre l'œil, on y va doucement. Bien reçu, suis-moi. Transport ennemi droit devant. On continue d'avancer à couvert. Attends, on va voir ce qu'ils font. Je vois deux éclaireurs. Ok, laisse le transport partir. Choisis une cible, je prends l'autre. On y va. Ennemi en approche sur la gauche. À couvert. C'est bon, on y va. Leader, Bravo est en position sur le porte-astronef Cerberus. Reçu, Brooks. Sécurisez le périmètre pour poser les charges. Attention au projecteur. Cache-toi. On peut y aller.
transport. Sois l'objectif. Une équipe d'entretien travaille sur les pavillons d'aspiration. Je les vois. Division de réparation. Deux techniciens de coque. Je garde. En devant. Je les tire. Bravo, vous me recevez ? 5 sur 5, on est prêt. Brooks, Cash, on va couper les réacteurs avec nos IEM. Compris, je pose mes IEM. Charge en place ! Comment ça va de votre côté, Cash ? Presque fini. Ok, tout le monde recule. Ça va sauter. C'est bon, le pont est coupé. En bouche. On a 3 minutes grand max avant qu'ils rétablissent le courant. Retribution, ici Leader, le Cerberus est hors service. Bien reçu. Bien reçu, Leader. On arrive dans votre secteur. Compris. On a des Skelters dans la zone. Faites décoller Scar 2 pour suppression. Bien reçu. Lancement immédiat. Patrouille à l'extérieur. Éliminez-les et entrez. On avance jusqu'à la proue. Continuez d'avancer! Dégagez la voie jusqu'au hangar! Attention derrière! Ok. Gator, je rentre. Envoyez des chasseurs pour évacuer l'équipe. Compris, je les envoie tout de suite. À tous les postes, ici 1-1, je suis entré et je me dirige vers l'objectif. Bien reçu. Fais gaffe à toi. À tous les postes, j'ai mis la main sur le prototype. Mets-toi aux commandes et rejoins-nous. Ça chauffe de notre côté. J'arrive. Ici Raider, je quitte le site et je rentre à la base. Je te vois. Ça gronde d'ennemis. Rejoins-nous et attaque. Reçu. On dirait qu'il y a des chefs d'escadron. Affirmatif, on va se les faire. Attention, les gars. 1-1, un ennemi de moins. Ethan, ici Leader, tu me reçois ? Je veux que tu surveilles l'activité des armes du Cerberus, compris ? Compris, je vous tiendrai au courant. Armement en son champ.
Un as éliminé. À 3h, Fever, 3h. Verrouillez-le. Température des tubes en augmentation. Contact au radar. Menace à 2 heures. Verrouillage ennemi. J'ai eu un autre scalter. East time. Chef d'escadron abattu. Bien joué. Attention, capitaine. Le courant du Cerberus est rétabli. Les tourelles sont activées. Bien reçu. À tous les SCAR, les défenses aériennes du Cerberus sont en marche. Ennemi, à une heure. Bien reçu, le 1. Merci de l'avertissement, Raider. Température d'équipement de augmentation. Armement en surchauffe. Cible à 12 heures. Il reste un seul chef d'escadron. Ici dans l'approche. Contre-mesure. Au travail. On fait du vide dans les rangs de leur leader, Reyes. Capitaine, on a un problème. J'écoute. Le Cerberus est à nouveau à pleine puissance. Il charge son canon électromagnétique. Compris. À tous les SCAR, rentrez à la base immédiatement. Gator, permission d'attaquer le Cerberus. Enfonce, Reyes. Attention, j'arrive. Capitaine, le Cerberus s'apprête à faire feu dans 20 secondes. Attention, il cherche à verrouiller le Retribution. Le Retribution ne peut pas encaisser un tir de canon électromagnétique direct. Gator, préparez un saut d'urgence. À vos ordres. Je force le passage. Le capitaine est à bord. Passerelle, sautez tout de suite. Saut dans 3, 2, 1. Capitaine, lieutenant, il y a un peu de bavard fou à propos de Genève. Je reste là. Capitaine au poste. Pas besoin de dire ça. Moi, j'aime bien. Capitaine aux commandes. Ravenna Sarim. Ils atterrissent, lieutenant. L'amiral Renz a désigné une cible principale au voisinage de Saturne. Et la passerelle a déchiffré des renseignements complémentaires sur la flotte du 7DEF. De nouveaux objectifs RR inopinés sont disponibles. Le Hellas du 7DEF procède à des réparations dans l'atmosphère de Vénus. D'après des rapports de renseignement, il transporterait des armes chimiques. Les SCAR et les marines l'aborderont pour une mission de recherche et destruction. Une fois l'armement chimique repéré, nous détruirons le vaisseau. Prêt à vous outiller, capitaine? Je recommande un fusil mitrailleur. Avec ça, vous aurez de la puissance de feu. C'est tout bon. Faites-en de la chair à pâté. Ce qui va suivre est un test des signaux sonores d'alerte générale, chimique et de collision. N'en tenez pas compte. Capitaine, j'ai extrait le plan du Hellas et je suis prêt à superviser l'opération. Je serai là pour vous guider à l'intérieur du vaisseau ennemi et vous aider à revenir en un seul morceau. Compris. Prête, Fever? Pareil. Allons-y. SCAR, ici tour de contrôle. Vent fort prévu sur votre trajectoire. Bien sûr, 1-1. 1-2, reçu. SCAR 1-1, vous êtes prêt à partir? Reçu, système ouvert. Lancement dans 3, 2, 1. Vent force 8 à 2-5-0 écho. SCAR 2, stabilisation. Bien reçu, on monte. Attention, dégâts. Hélas, du 7DEF, droit devant. Compris. Ethan, cible en visuel. On se prépare pour recherche et destruction de l'arme chimique. Voilà des skelters.
Ils défendent le Hellas. Faut qu'on les abatte avant de pouvoir aborder. Ils contournent. Attention à ton flanc. Il me suit. Virage à droite. Descripteur. Cible à 12 heures. Fais gaffe à tes ailes, Raider. On a de l'orage. Bien reçu. On peut se faire abattre par la foudre, lieutenant. C'est rare, Hawks. Je note. D8 Lever. Il me suit. Redressez. En bas, à 6 heures. Perdre ce vaisseau! Tout le monde avec moi! Les défenses aériennes du Hellas font feu! Évitez les tourelles! Baissez en approche! Les plus gros dégâts sont à bâbord! On peut se poser là-bas! Reçu! Éteindre les SCAR sont à bâbord! Trouve-nous un point d'infiltration près de l'arsenal! Je vous le fiche tout de suite! Reçu, je le vois! On entre! SCAR 2, défendez le périmètre! Faites feu sur tout ce qui bouge! J'ai reçu un! On vous tient au courant! On élimine l'ennemi de tous les côtés! On les élimine! Ethan, hangar sécurisé. Excellent, capitaine. Pour accéder au système de survie, le plus rapide est de passer par l'infirmerie. Escouade, on prend le contrôle de leur système de survie et on se dirige vers l'arsenal. Ils ont des armes chimiques à bord, attention. Compris. Mouvement. Dispersez-vous. Attention dans les coins. Faut qu'on dégage le passage. Vous ne devriez pas être loin de l'infirmerie. Système d'armement à puissance maximale. En attendant de coordonnées 3, 2, 6, 9. On couvre, Yes, connecte-toi. Ethan, j'accède à leur réseau, à toi. Je vous transfère les commandes des systèmes de survie. Vous contrôlez la pesanteur et la pression. 7-9! 7-9, on approche! Au sud! C'est bon! On y est, tenez-vous prêts! Chimiques dans les ogives. Je vais prélever un échantillon dans l'arsenal et on fera sauter le reste avec le vaisseau. Capitaine, l'ennemi approche pour protéger l'arsenal. Reçu. Mettez-vous en position, je pirate la porte. Je suis connecté. Ethan, combien d'ennemis? Au moins une vingtaine, accompagné de ces 6. Je peux verrouiller les portes, mais ça ne les retiendra pas longtemps. Et voilà, tenez-vous prêts.
feu! On les élimine! Échantillon récupéré. Posez vos charges. Faut pas qu'ils puissent utiliser ces saloperies. Attention, une équipe médicale est demandée dans la soute 3 au plus vite. Médecin demandé dans la soute 3. Charge en place. En route. Retribution, on se rend au point d'extraction. Capitaine, le Hellas perd de l'altitude. Dépêchez-vous. Foncez au hangar plus vite que ça. Ethan, on quitte la cible. Déclenche les charges. Les commandes des charges ont été transférées à votre cockpit. Éloignez-vous et faites tout sauter. Les SCAR sont loin de la cible. Explosion des charges. Ça devrait attirer leur attention. Hélas, détruit. Un de moins. En formation, on rentre au bercail. Raider au Retribution. Mission accomplie. Retour à la base. Bien reçu, capitaine. On vous voit sur nos écrans. Bon vol.